الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ce que جي choisi j'ai choisi le fait de méditer Quelle est la plus belle chose qui peut nous motiver? Quelle est la plus belle chose qui peut nous inspirer? Quelle est la plus belle chose vers laquelle nous devons tendre? Eh bien, c'est vers la méditation de la parole d'Allah wa Et j'ai choisi un hadith dans lequel Allah ta'ala parle de trois catégories de personnes. Ces trois catégories de personnes, il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Et c'est là-dessus que je vais plus insister. Parce que c'est un, c'est un élément qui est très important dans notre survie spirituelle au quotidien. Alors le prophète Aïssa, il nous dit trois personnes sont, sont aimées d'Allah. Il s'agit d'un homme qui, voyant un mendiant venir demander l'aumône aux gens, au nom d'Allah, et non, au nom de la parenté le liant à eux, et voyant que ceux-ci ne lui donnaient rien, se cache à deux. Donc il se cache, et il lui donna une aumône que personne, à part Allah n'a su. Il y a un homme qui est en sortie avec des gens en voyage, attendit que ceux-ci s'endormirent et se leva la nuit pour implorer Allah et réciter sa parole. Et enfin, un homme qui, étant sorti avec un groupe de gens dans une expédition, se trouvèrent face à l'ennemi et il les combattit. Il résista alors jusqu'à ce qu'il fût tué ou qu'Allah lui donne la victoire. Moi, je vais m'arrêter sur euh, la personne qui est partie avec des gens en voyage. Et il attend que les gens s'endorment. Et il se leva la nuit pour implorer Allah et pour réciter sa parole. Et donc cet homme, il a attendu que les gens dorment. Parce qu'il voulait que son acte son acte, soit réellement sincère. Il voulait que son acte ne soit pas pollué par une quelconque ostentation. Et cet homme-là va prier et il va y avoir un temps où il va lire et réciter le Coran. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir cette personne qui se lève sans que personne le voit. Et qui lit la parole d'Allah ta'ala. Donc, le Coran, c'est, ça doit être notre repère. Le Coran, c'est un guide. C'est un guide pour ceux qui ont envie de se connecter à Allah ta'ala. C'est un guide pour ceux qui veulent connaître la bonne direction. C'est comme quand vous êtes sur la route. Vous avez besoin de panneaux pour vous indiquer la direction. Eh bien, le Coran, c'est exactement la même chose. C'est un guide pour nous mener dans la voie droite et pour ne pas nous égarer. C'est un guide qui nous montre comment fonctionner, comment atteindre cette lumière. Et donc, le Coran, c'est une source inépuisable de sagesse. Et donc, nous vivons, nous vivons réellement un déséquilibre au niveau de notre spiritualité. C'est un déséquilibre qui est dû, bien sûr, en grande partie par le, par la société. Et cette société ne nous facilite pas notre rapport au Coran, ne nous facilite pas notre connexion, le fait de pouvoir créer ce lien avec cette lumière divine. Et donc Allah s.w.t. va nous rappeler que le Coran, c'est justement un rappel. C'est un rappel pour nous au quotidien. Et il nous dit dans surat al-Anbiya, les prophètes, la, le verset 50, il nous dit « Et ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre, allez-vous donc le renier donc Allah il nous interpelle, il nous dit c'est un rappel, c'est un rappel qu'Allah a voulu faire descendre sur vous pour que vous n'oubliez pas que la lumière que l'on doit suivre, c'est la sienne. Mais parfois, et très souvent, c'est pour ça que la communauté, elle est dans cet état, on pense que le Qur'an, c'est juste un livre que l'on doit lire. Alors que le Coran, c'est la source de notre vie spirituelle. C'est la source de vie de notre cœur. C'est la source de vie de notre âme et de notre roi. Et le fait d'en être déconnecté, eh bien, ça va impacter notre manière d'être au quotidien. Notre manière de percevoir notre quotidien. Et... Quand on est face à des difficultés, quand on est face à un quotidien qui est difficile, du fait qu'on n'ait pas eu ce lien avec la parole d'Allah, eh bien, c'est difficile de surmonter toutes ces choses-là. C'est difficile de surmonter. Il n'y a juste qu'à voir nos frères et nos sœurs palestiniens, ceux qui sont en train de vivre actuellement. Et c'est la seconde fois pendant le ramadan qu'ils suivent, qu'ils sont en train de vivre les injustices, le mépris et l'humiliation au-dessus de tous, sans que personne ne puisse dénoncer ce genre de comportement. Mais malgré ce qu'ils sont en train de vivre, ils tiennent fermement à la parole de l'Aspenatal. Qu'est-ce qui fait que ce peuple qui est digne, ce peuple qui porte la lumière dans l'Aspenatal, qu'est-ce qui fait que ce peuple reste toujours debout? malgré ce qu'ils qu vivent, malgré qu'on tue leurs enfants. Eh bien, ce qui les fait tenir, c'est la parole d'Allah, c'est la promesse qu'Allah qu leur a donnée. Il leur a promis la réussite, il leur a promis la récompense. Ils sont dans une terre sainte. Ils préservent cette terre sainte. Ils subissent, ils souffrent, ils sont privés d'eau potable, ils sont étouffés, ils n'ont aucune liberté, et malgré tout, ils gardent espoir, parce qu'ils ont ce lien avec Allah On les fait tomber, on tue leurs enfants, et ils continuent à se marier, et ils continuent à étudier, et ils continuent à avancer, et ils continuent à avoir des enfants. Ils avancent ils avancent dans la lumière malgré ce qu'ils sont en train de vivre et c'est comme ça que nous nous devrons nous, nous devons nous projeter notre quotidien n'est pas aussi difficile que le leur mais c'est vrai qu'on n'a pas le même vécu mais nous devons prendre exemple sur ce genre de peuple qui va nous permettre justement de minimiser ce que nous nous sommes en train de vivre au quotidien pour pouvoir nous reconnecter à l'essentiel. Le but, c'est ça, de nous reconnecter à Allah subhanahu wa Et on se connecte à Allah subhanahu wa à travers la lecture de Sa parole. Vous savez, euh, Allah subhanahu wa il nous dit que il y a dans ce Coran des bénédictions et des grâces qui vont toucher toutes les personnes, toutes les personnes. Mais ce sont des personnes qui savent rentrer dans l'intimité d'Allah SWT. Ces personnes-là vont savoir que lire cette parole va permettre de les faire rentrer dans cette intimité. Et donc, les grâces vont les envelopper. Parce que ce sont des personnes qui s'ouvrent à la parole d'Allah SWT. Que l'on comprenne ou que l'on comprenne pas. Le, le Coran, il, est, il a pas ce, ça ne touche pas l'intelligence à proprement dit. Pourquoi Parce que du fait que c'est une connexion à notre, euh, notre fitra, à ce, ce pacte originel que nous avons conclu auprès d'Allah swt. Eh bien, quand on lit la parole d'Allah ça vient réveiller en nous ce que nous avons déjà et qui est endormi. Ça va réveiller. Ce pacte originel que nous avons fait avec Allah ta'ala. La parole d'Allah, elle est là pour justement apporter cet, abaise, cet apaisement et pour pouvoir allumer l'interrupteur et illuminer à l'intérieur de son cœur. Donc avoir ce rapport avec la, avec le Coran, avec la parole d'Allah ta'ala, elle est importante. Il y a eu une expérience sociale qui a été faite par des musulmans et ils ont fait écouter dans la rue à des personnes le Coran. Donc ils ont mis des écouteurs, un casque, et ils ont fait écouter à des personnes qui n'étaient pas musulmanes des versets du Coran. Quand on leur a dit qu'est-ce qu'ils ont ressenti à l'écoute, eh bien ils ont ressenti quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur, un apaisement, quelque chose qui leur parlait, qui leur, qui leur faisait ressentir quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Et quand on leur a dit que c'était du Coran, ils étaient très très surpris. Et bien voilà ce que ça procure le Coran quand on prend le temps de l'écouter et quand on prend le temps de le lire. Ça crée une connexion directe avec ce pacte et cet engagement que nous avons dans wa Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pas parce qu'on a lu un verset dans le mois qu'on est connecté à wa le Coran doit être notre livre quotidien, doit être notre lecture quotidienne. Et dire que j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse. J'ai le temps pour faire plein d'autres choses, mais je n'ai pas le temps pour me poser 15 minutes, 20 minutes pour lire ce qu'Allah est en train de me dire. Ce sont des fausses excuses. La connexion à Allah se fait à travers sa parole. Et on doit avoir ce réflexe de le lire quotidiennement. Euh, le quotidien de la lecture du Coran, elle se fait à des moments propices pour que vous, vous soyez connectés. Le Coran est le point de départ de la lumière. Parce qu'il est, il est la lumière dans ta'ala. Donc, il y a des personnes qui se disent :« Je ne comprends pas le Coran ou je ne sais pas lire en arabe. Donc, pourquoi pourquoi je vais le lire Je vais juste l'écouter. Eh bien, l'écouter, c'est bien parce que ça va procurer un bien-être intérieur, ça va nous mettre de l'émotion. Mais le fait de lire, c'est différent parce que quand vous lisez, vous utilisez votre langue. Et donc, quand votre langue, elle prononce les noms d'Allah, elle prononce les versets, il y a cette connexion qui va se faire sur votre cœur. Les vibrations vont venir l'impacter directement. Et c'est ça qui va permettre la nourriture de votre cœur, qui va permettre à votre âme d'aller plus vers la lumière que vers cette part d'obscurité. Nous devons faire ce combat intérieur au quotidien, de permettre à notre âme de prendre plus de lumière que de faux jours. Parce que, comme vous le savez, l'âme, elle est divisée en deux parties. Allah, il nous dit que dans l'âme, il y a cette part de lumière, et il y a cette part de perversité, d'obscurité. Et cette part d'obscurité a la tendance à prendre la place sur la lumière. Et nous, ce que nous devons faire, c'est justement empêcher cette obscurité de venir éteindre la lumière d'Allah. Et nous devons faire en sorte qu'elle reste allumée et qu'elle se propage dans l'âme entière. Et c'est sûr que c'est un travail que nous devons faire vraiment quotidiennement. C'est un combat que nous menons face à notre âme. Et on est là à essayer de faire ce combat pour que la lumière d'Allah ta'ala prenne la place. Et donc, pour que cette lumière, elle puisse rayonner, on doit avoir ce contact avec le Coran. C'est fondamental, c'est primordial pour la survie de notre âme, pour la survie de notre spiritualité, pour la survie de notre relation avec Allah ta'ala. Le Coran est là pour nous élever. Le Coran il est là pour nous mettre en proximité dans cette intimité divine. Et c'est cette intimité divine que nous devons toujours rechercher. Allah subhanahu wa il nous dit, dans Surat Muhammad, le verset 24, n'allez-vous pas méditer le Coran? Y a-t-il un cadenas sur vos cœurs? Est-ce que vous n'allez pas méditer le Coran T'as d'abord c'est méditer ce qu'il y a derrière les versets. Ça c'est très important quand on médite les versets dans la natale Quand on va chercher derrière le sens apparent, vous allez trouver une source, une source inimaginable de connaissance, une source inimaginable de lumière. Et cette lumière de la connaissance ne va faire qu'augmenter votre foi, ne va faire qu'augmenter votre élévation, ne va faire qu'augmenter votre rapport avec Allah Subhanahu wa Taala. Éditez le Coran. Y a-t-il un cadenas sur vos cœurs? Est-ce que vous n'allez pas méditer le Coran? c'est Méditer ce qu'il y a derrière les versets. Ça c'est très important quand on médite les versets dans la so natale, quand on va chercher derrière le sens apparent, vous allez trouver une source, une source inimaginable de connaissance, une source inimaginable de lumière. et cette lumière de la connaissance ne va faire qu'augmenter votre foi. Ne va faire qu'augmenter votre élévation. Ne va faire qu'augmenter votre rapport avec Allah SWT. Et, euh, vous allez me dire comment faire pour être dans cette méditation. Comment méditer le Qur'an. Comment être dans ce d'abord Parce que c'est vrai, lire, ça va pas permettre euh, réellement à d'abord parce que c'est une connaissance c'est un savoir qu'on doit apprendre et on l'apprend comment bien avec des personnes qui ont cette maîtrise avec les personnes qui sont prêtes à nous enseigner comment méditer le coran comment être dans ce tas d'abord parce que c'est vrai lire ça va pas permettre euh, réellement, d'abord parce que c'est une connaissance, c'est un savoir qu'on doit apprendre. Et on l'apprend comment ben Avec des personnes qui ont cette maîtrise, avec les personnes qui sont prêtes à nous enseigner. Et donc, euh, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez le lien, le lien euh, en bas, justement, il y a le frère Abdelkarim qui propose une formation... Euh, un nouveau départ avec le coran et avec euh, cette formation il euh, propose justement d'être dans cette méditation des versets du coran il vous apprend à comment comprendre à comment méditer quels outils utiliser et de cette manière vous pouvez augmenter votre connaissance, vous pouvez augmenter votre spiritualité et vous alimenter votre lumière divine à l'intérieur de vous. Je continuerai à en parler euh, un peu plus tout à l'heure. Alors, le Tadabou, c'est une invitation. C'est une invitation à avoir un rapport profond avec le Coran et ne pas s'arrêter juste à la surface des mots. Parce que la profondeur du Coran est bien plus, que, bien plus que les versets que vous êtes en train de lire. Alors, il y en a qui vont avoir un rapport qui est superficiel avec le Coran, qui est plus matériel. Alors, quand on dit matériel, ça, ça fait appel à, aux personnes qui mémorisent et qui répètent le Coran juste en mode perroquet. Mémoriser le Coran, c'est magnifique. Le lire avec de belles, par avec une, la belle prononciation, la tilawa, euh, pardon, la, avec euh, toutes les règles qui, qui, qui correspondent à la lecture, ça ne fait que nous euh, nous transporter. Mais on ne doit pas s'arrêter au mode de la récite, de, de fait de réciter pour réciter. On ne récite pas pour réciter. On mémorise le Coran, on médite le Coran, on applique le Coran. Le but du Coran, comme le disait Aïcha radia anha, quand il est venu lui poser la question, on lui a dit, Ya Aïcha, quel était le comportement du prophète Et là, Aïcha, elle répond que le prophète Aïsat Oselem, c'était un Coran qui marche sur terre. Ça veut dire que... Le prophète Aïssa il a reçu la révélation, il l'a mémorisée, elle s'est ancrée en lui et il l'a appliquée. Donc le Coran ne doit pas rester quelque chose qu'on apprend et qu'on garde pour soi. Le Coran doit être là pour animer et réveiller nos bons comportements. Ça doit faire, ça doit provoquer un transform, une transformation intérieure. Le Ramadan, c'est le moment, c'est le Ramadan, al Ramadan, c'est al Quran. C'est le mois de la révélation. Donc c'est le mois où on doit se consacrer à réveiller cet amour pour le Quran. Et donc être dans cette lecture quotidienne. C'est vrai que pendant le Ramadan, c'est plus intensif. Mais le but du Ramadan, c'est de pouvoir rester constant durant tous les autres mois de l'année. C'est ça qui est important. Durant tous les autres mois de l'année, être dans cette, dans cette démarche de lire et d'être en connexion avec Allah à travers Sa parole. Donc, dans Surat Sad, la Surat 38, vous allez voir dans le verset 29, Allah il nous dit Voici un livre béni. Que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Alors c'est là la nécessité de faire du Coran son livre de chevet, son livre que l'on doit toujours avoir à portée de main et que l'on lit dès qu'on a un moment. Pas que ça ne veut pas dire que on doit essayer de trouver euh, le Coran doit essayer de se frayer un chemin dans notre quotidien. C'est que il doit être à portée de main pour que nous soyons toujours en contact avec. J'ai un moment, je lis. Je me crée un moment pour lire. Je me crée des conditions. Je me donne les moyens de pouvoir être dans ça lecture dans sa récitation dans sa méditation Et il ne faut pas oublier que le prophète àsm il nous dit que le coran intercédera en faveur de nous le jour de la résurrection alors attention c'est soit en faveur de nous soit à l'encontre de nous donc c'est pour ça que c'est important nous avons tous une vie euh, une histoire mais il n'empêche que quelle que soit notre histoire quelle que soit notre vie quotidienne nous ne devons pas trouver cette excuse pour ne pas avoir ce contact avec le coran d'avoir ce moment privilégié avec le coran parce que plus on a contact avec le coran et plus notre rapport à l'aswad natal devient plus fort et c'est ça qui nous permet de résister, de patienter, d'avancer, de se motiver. Le prophète Aïssa Sussam, il donne cette parabole, cette image qui est, qui est très belle. Il nous dit, le Coran, le croyant qui récite le Coran et le met en pratique, il est comme l'orange, parfumé à l'odorat et au goût. Le croyant qui ne le récite pas, est semblable à la date qui n'a pas d'odeur et qui est sucrée au goût. L'hypocrite qui ne récite pas le Coran est comme la coloquinte, ce sont, c'est de la famille des courges, qui n'a pas d'odeur et dont la saveur est amère. Moi, je vais m'attarder sur les deux premières catégories de croyants. Donc, il y a le croyant qui le récite et qui l'applique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui le récite et qui applique les préceptes du Coran, eh bien, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec son intérieur et son extérieur. Ça veut dire que ce qu'il a à l'intérieur de lui, eh bien, ça va s'exprimer, se refléter en lumière à l'extérieur de lui. Donc, l'intérieur est en équilibre avec ce qu'il présente à l'extérieur. Et c'est ce travail que l'on doit faire, nous, cet effort que nous devons faire, être à l'équilibre, parce que ce qui est à l'intérieur de nous va automatiquement se refléter à l'extérieur. Donc quand on voit les comportements des gens, on voit leur faiblesse intérieure. On voit là où il y a un manquement. On voit que là, il y a des choses à corriger. Il y a des choses à améliorer. Et le croyant qui récite, et qui le récite pour lui, mais qui à l'extérieur, c'est, voilà, c'est comme une date. Donc, le goût est sucré. Ça n'a pas d'odeur. Eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que il y a du bien en lui parce qu'il lit le Coran. Il croit en Allah Mais il est comme la date qui est sucrée. Elle est bonne, mais elle ne rayonne pas par son parfum. Donc, du fait qu'il n'y ait pas de parfum, ça ne, ça ne occasionne aucun effet extérieur. Il ne se fait du bien qu'à lui-même, intérieurement. Et donc, ça n'impacte pas les autres. Donc, c'est bien de ne pas faire du mal aux autres. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est de s'imprégner. Et le but, c'est de pouvoir être avec les autres. De pouvoir apporter le positif que nous, nous avons dans notre cœur, la compréhension que nous avons de ce que nous lisons. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que parfois, on doit se poser et faire un état des lieux de notre intérieur et de se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que je me trouve dans ces différentes catégories. C'est important parce que quand on s'auto-évalue, on arrive à voir quels sont les points que je dois corriger. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. Pourquoi Parce que pour eux, tout va bien. Pour eux, il n'y a rien à changer. Et c'est ça le pire. Le piège, c'est de penser qu'on n'a rien à changer, qu'on n'est qu pas dans l'erreur et qu'on ne qu commet pas de mal à travers ce que l'on fait. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. C'est parce qu'à l'intérieur de soi, il y a des maladies que l'on doit guérir, que l'on doit éradiquer de notre cœur. Il y a forcément, forcément quelque chose à corriger en nous, constamment. Celui qui dit je n'ai rien à corriger, alors il faut qu'il revoie son intention et sa sincérité. Il faut qu'il revoie ce côté de moi, je. Nous avons tous quelque chose à corriger. Et c'est ça le cheminement. Le cheminement, c'est à travers ma découverte, à travers ma lecture, à travers ma proximité avec Allah, et bien je corrige au fur et à mesure des comportements qui ne vont pas avec ma foi. Donc celui qui vous dit ça, c'est qu'il y a un problème. Nous avons tous. J'ai des choses à corriger et je corrige des choses au quotidien. Et ça, c'est important. C'est important. Alors, le Coran, il va agir sur nous différemment en fonction du degré de proximité, de proximité que l'on a avec, euh, avec Allah. Tout dépend de la proximité que l'on a. Tout dépend du degré que j'ai avec mon intimité avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et en fonction de ça, ça va m'impacter plus ou moins. C'est pour ça que notre Coran doit être quelque chose que nous avons au quotidien. Ce livre que j'ai dans ma bibliothèque, il ne doit pas prendre la poussière. Il doit être ouvert quotidiennement. Ça, c'est un but que vous devez vous fixer. Un but que vous devez vous fixer pendant le mois de Ramadan et un but que vous... Vous devez vous fixer après le mois de Ramadan, qui doit perdurer même pendant l'été. Même pendant l'été, on a l'impression que tout le monde part en vacances et notre foi et notre pratique aussi, notre spiritualité aussi. Le, les vacances, c'est pas ça. Les vacances, c'est de rester toujours dans cette proximité et avec mes valeurs et mon éthique, je respecte même quand je pars en vacances. Donc, je ne dois pas oublier d'où je viens, je ne dois pas oublier où je vais et de quelle manière je dois y aller. Je vais vous donner l'image euh, que le prophète Aïssa Toussem a donnée dans sa Hadith. Et c'est pour ça que quand on a envie de rester en contact avec Allah, il est important, il est important de faire attention à ses fréquentations il est important de euh, s'entourer de personnes qui sont dans cette proximité là ou alors qui ont envie d'avancer vers cette proximité. donc quand on est plusieurs à avancer, on est mieux armé. quand on est dans cette... Euh, on a des amis qui sont dans cette proximité, eh bien ça nous encourage, ça nous élève. et on doit être avec des personnes qui nous élèvent et non pas qui nous rabaissent. on doit être avec des personnes qui euh, ne nous freinent pas. Des, des personnes qui ne nous découragent pas. Des personnes qui sont dans cette bienveillance. Donc quand vous êtes, vous avez des amis qui ne vous encouragent pas, des amis qui vous rabaissent, des amis qui vous disent que vous n'y arriverez jamais parce que vous faites ci, vous faites ça, alors éloignez-vous de ce genre de personnes. Les amis, ce sont ceux qui vous encouragent, qui vous disent que même si tu as des euh, des failles eh bien à force d'être avec la proximité de Rasmanatala, ces failles vont finir par se colmater le but du Quran c'est de colmater les brèches de colmater les doutes et à travers sa lecture à travers cette proximité eh bien c'est là que vous allez vous améliorer donc la Première des choses, c'est qui vous fréquentez. La fréquentation, c'est le point de départ, parce que soit vous avez des fréquentations et ils vous emmènent au fin fond de la perdition, soit vous avez des bonnes fréquentations et ils vous élèveront vers la proximité dans l'aspect total. Donc le prophète à selem il donne cette cette image. Il dit les fréquentations les bonnes fréquentations le fait d'être en compagnie de personnes qui, euh, qui aiment Allah subhanahu wa c'est comme l'image d'un vendeur de musc quand vous rentrez dans ce magasin vous voyez hein euh, le musc quand on rentre dans ces magasins là on, on sent du parfum de partout ça sent bon et donc on sent ce parfum on en est imprégné et quand on sort de cette boutique eh bien cette odeur elle va rester un, un petit temps un petit temps et ensuite elle part cette odeur part par contre quand on achète du parfum c'est pas pareil quand on achète du parfum on a fait l'effort de d'acheter ce parfum qui va rester et qui va durer dans le temps parce que je vais l'utiliser et donc ce parfum c'est comme les amis, soit vous êtes en compagnie de personnes qui font un rappel, donc vous êtes là, vous prenez du, du plaisir à écouter le rappel. Et quand vous rentrez chez vous, eh bien vos habitudes prennent le dessus, vos préoccupations prennent le dessus et vous êtes dans l'oubli, dans l'insouciance. Par contre, quand vous avez des amis réels avec qui vous restez constamment, que vous fréquentez, fréquentez, constamment, automatiquement, vous serez dans cette imprégnation, et cette imprégnation, elle reste. Elle reste. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une très bonne compagnie. Allah il nous dit dans Surat al-Isra, la Surat 17, le verset 107, il nous dit, dit, croyez Croyez-y, on n'y croyait pas, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés le menton contre terre. Ça veut dire que les personnes, quand on leur récite le Coran, quand on leur récite, quand ils entendent, savent que c'est quelque chose d'extraordinaire et eh bien ça va les conduire à quoi à se prosterner et ce verset il fait référence à un, à un moment dans la vie du prophète alayhi où il était à la Mecque, où il était à côté le Kaaba et euh, quand il récite dit croyez-y ou n'y croyez pas ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela lorsqu'on leur récite tombe prosterné vous savez quand le prophète Aïssa Toselem y récitait devant les certains notables de la Mecque, les notables de la Mecque comprenaient très bien l'arabe et comprenaient très bien les subtilités. Et ils ne supportaient pas d'entendre ce que le prophète Aïssa Toselem récitait. Pourquoi Parce qu'ils savaient très bien la puissance de ses paroles. Et ils ne voulaient pas renier leur propre croyances C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas écouter. Il y a eu un moment où le prophète Aïssasoum est récité, il avait récité un, un passage de Surat Nij, l'étoile, et à ce moment-là, il y avait à côté de lui des, des notables. Et ces notables-là, en, en, en entendant, leur visage s'est transformé, et ils étaient à deux doigts, à deux doigts de pouvoir devenir musulmans. Mais quand ils sont revenus auprès des leurs, et que les leurs ont vu le changement sur leur visage, ils leur ont dit, allez-vous renier? Allez-vous revenir? Euh, allez-vous suivre le prophète? Et vous, vous savez l'effet des foules. Quand on est dans, quand on est dans un groupe, on n'a pas envie d'être exclu dans un groupe. Donc même si on n'est pas dans cette, euh, on n'a pas envie d'écouter le groupe, et eh bien du fait qu'on fait partie du groupe, eh bien on se fait influencer. Et c'est ce qui arrive énormément. L'influence de la masse, eh bien c'est la masse qui prend les décisions à notre place. C'est pour ça qu'il faut être faire très attention et être convaincu des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons, parce que les choix quand ils sont orientés vers la lumière ne peuvent pas être des choix négatifs. Ils ne peuvent être que des choix positifs pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre quotidien et pour notre au-delà. Parce que ce qui est important, c'est de devrer pour que l'on puisse avoir cette part de Akhira. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier cette part ici-bas, parce qu'elle est importante aussi. Wa fil hasana wa Voyez, c'est cette invocation que l'on dit quand on tourne autour de la, la, la Kaaba et ou à un moment euh, où on récite ce, cette invocation. hasana. Seigneur, accorde-moi une belle part d'ici-bas. Wa fil hasana et une belle part dans l'au-delà. Wa qina al et préserve-nous du feu. Ça, c'est une invocation que vous devez dire au quotidien après les prières, après les, les prières du matin et prières du soir. Parce que là, vous êtes en train de dire à, à notre éducateur, à celui qui nous éduque, Rob, à notre maître, de nous donner cette part d'ici-bas. Et la part de l'au-delà. Et de nous préserver de ce châtiment terrible. la dans sourate al la sourate 5 le verset 83 Allah tout il nous dit Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité Ils disent Ô oh, notre Seigneur nous croyons inscrit nous croyons inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la, la véracité du Coran. Vous avez tous fait l'expérience que lorsque vous lisez le Coran, lorsque vous entendez quelqu'un réciter le Coran, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez vos yeux qui, qui pétillent, vos yeux qui pétillent. Et donc, l'effet du Coran sur le croyant eh bien, ce sont ceux qui sont le plus sensibles, parce que ce sont ceux qui essayent d'être dans cette proximité et intimité avec Allah. Dans la Sourate Les Groupes, Allah il nous dit dans le verset 23, « Dieu a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Alors, ici, les personnes vont soit frissonner, ils vont frissonner au premier abord et ensuite vont s'apaiser. Ça veut dire que quand ils entendent la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ils vont entendre, ils vont frissonner et ensuite ils vont s'apaiser. C'est le but de cette lecture et de cette proximité avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Frissonner et s'apaiser. Le... Alors quand Allah Subhanahu wa Ta'ala dit qu'il guide qui il veut et il égare qui il veut, il y en a qui vont dire, oui mais c'est Allah qui guide. Mais nous avons un rôle à jouer là-dedans, parce qu'Allah SWT a dit, croit qui il veut et mais croit qui il veut. Donc il laisse le choix à chaque individu de le croire ou de ne pas croire, de le suivre ou de le renier. Allah SWT va mettre sur notre chemin des éléments qui vont nous permettre d'aller dans sa voie. Et ensuite vous faites le choix entre Aller vers cette voie de la droiture ou ne pas aller vers le voie, la voie de cette droiture. Et Allah, il nous mettra énormément, énormément de possibilités de revenir à lui. À chaque fois. Et si à chaque fois, nous refusons d'aller vers cette lumière, eh bien, à ce moment-là, Allah va sceller nos cœurs. Parce que on, Allah aura beau mettre sur notre voie des éléments qui nous ramènent vers sa lumière, si nous persistons à être dans le refus, Allah va, va sceller nos cœurs. Allah guide qui veut. Allah met sur son chemin, sur le chemin de chacun d'entre nous, des personnes, des éléments qui vont pouvoir nous mener vers la lumière. Donc demandez toujours dans vos invocations qu'Allah mette sur votre chemin une bonne compagnie, qui vous mette sur votre chemin des personnes qui vous aident à vous élever dans sa proximité. Faites dans vos invocations, ces invocations dans lesquelles Allah wa va exaucer. Seigneur, éloigne de moi les personnes qui pourraient m'éloigner de toi. Yeah, Allah, rapproche de moi les personnes qui peuvent me rapprocher de toi. Ce sont des invocations qui vont vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Demandez les bonnes invocations et Allah subhanahu ta'ala y fera le reste. Mais gardez en tête d'avoir cette conviction ferme et inébranlable que cette capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala de répondre à notre à nos invocations est réelle et réelle. Si vous voulez être exaucé, si vous voulez être accompagné, vous devez avoir cette foi inébranlable et cette confiance inébranlable qui va gérer tout pour vous. C'est important, c'est fondamental et c'est ça qui va vous permettre de rester dans l'apaisement. Qu'à la face de, de nous, face de vous, des personnes qui ne cessent de cheminer dans sa voie, et qui nous permettent d'être dans sa proximité à travers sa parole divine.